Je m'appelle Juan Tena, je suis directeur de l'hôtel Resort Thalasso à Concarneau. L'hôtel est situé donc à 10 minutes du centre de Concarneau à pied. C'est un établissement qui a 66 chambres. Donc je suis Eugénie Lucas, directrice adjointe du centre thalassothérapie de Concarneau. Thalasso Concarneau, c'est un lieu unique, c'est un spa marin avec du bois, de la pierre, des matières naturelles. C'est une thalasso intimiste à taille humaine où on va retrouver 20 cabines de soins. Le spa est ouvert toute l'année, du lundi au dimanche. On ne va pas faire juste la remise en forme, la santé. On imagine une prise en charge globale du bien-être de nos clients. Avec un sauna panoramique également vu sur l'océan, hammam, espace tisannerie. On a deux bassins, un bassin qu'on appelle de détente avec un parcours de jet aquatique, col de cygne, jacuzzi, geyser et une piscine de nage à contre-courant qui a la chance d'avoir une vue magnifique sur l'océan. Il y a également à l'hôtel la piscine extérieure. Un restaurant gastronomique, midi et soir. Un chef qui est un monsieur Armando Noguera, qui est toute son équipe, qui présente une carte assez évolutive et avec une recherche culinaire qui est assez poussée. Nous avons un bar, vous avez un éventail de cocktails. Le bar est ouvert à toute la journée, à partir de midi jusqu'à 22h30. Le petit jeu se présente aujourd'hui sous forme de buffet. À peu près tous les gâteaux locaux, genre viennoiserie, genre gâteau, pâtisserie. Enfin, vous avez une gamme exceptionnelle de produits locaux. Nous proposons internement une location de vélo, mais également on peut gérer la location de bateaux, la location des excursions au niveau de l'intérieur, au niveau des terres et des excursions au niveau de la mer également. En face de la thalasso, on retrouve l'école de voile qui propose des initiations à la voile, du kite, des sorties kayak. On est également à proximité de la forêt Fouinant, de Pont-Aven, la cité des peintres, avec Quimper également à côté. Concarneau est une ville, c'est-à-dire qu'elle vit à l'année. Vous avez les restaurants, les cinémas, les bars, des expositions, toute l'année. La région vous propose plein d'animations. Les fêtes locales sont très nombreuses. Les fêtes de Cornouailles sur Quimper, vous avez les filets bleus. C'est une fête qui est centenaire dans laquelle on propose une restauration locale sur le port, des animations, des concerts. Venez vous noyer dans la culture bretonne entre ses chants, les danses et les traditions bretonnes.